justement de se débrouiller comme elle veut, mais de passer cet appui sur cette planche pour aller vers l'avant, les épaules vers l'avant, pour être un peu plus conquérante. C'est vraiment le Thomas Jordier qui est le favori. Attention à Thomas Jordier. Attention à Thomas Jordier, il fait partie des tout jeunes. Et Mamoudou Aliman Hané, lui aussi l'expérience de l'équipe de France. Cette course aussi, la course importante, les Jamaïcains pareil, on retrouve les grandes nations généralement présentes sur 400 mètres. C'est la preuve, c'est une course de référence, le tour de piste ou le double tour de piste, c'est vraiment la course de référence. Jordier qui est parti très vite, c'est lui le favori, il va essayer de se rabattre à la corde. Ouais, pour l'instant il est bien, mais regardez ce que fait Hané. Regardez ce que fait Hané. Il vient à l'extérieur, il vient faire une tangente un peu trop grande. Il ne s'est pas rabattu où il fallait, il est resté beaucoup trop sur son couloir. Il a dû faire un petit oubli, un petit bug. Heureusement, ça n'avait pas trop d'incidence ensuite. Et Liman Hané qui est derrière, Jordier est bien pour l'instant. Et là, on est sur une course rapide. Hein. Et les deux premiers, normalement, peut-être sous les 47-60. Attention à Liman Hané qui vient se décaler sur l'extérieur et avec, regardez, le relâchement du haut. Vient prendre la première place, 46-92, on n'est pas loin des minima. Oui, je vous disais qu'il fallait courir vite pour être en finale. Eh bien, ils l'ont fait tous les deux. Ils l'ont fait. Et oui, et Liman Hané, voilà. Ah, il l'avait prévenu, il l'avait prévu avant de partir sa course. C'est pour toi, maman. Voilà, ah, et il le dit, c'est bien. Mamoudou et Liman Hané. En tout cas, super course hein, de Mamoudou et Liman Hané qui... Ouais, il est un petit peu en retrait alors qu'on voit vraiment la faute tactique de Jordier. En tout cas, il ne s'emballe pas. Il ralentit à ce moment-là pour ne pas prendre de coup de pointe. Et le finish, le placement est remarquable. Regardez ce relâchement, le genou qui continue à monter. Et je ne sais pas si c'est maman ou mama. Parce qu'il y a une histoire qu'il faut raconter. C'est que le jeune Koulibaly, qui était l'un des meilleurs de sa génération l'année dernière, s'est fait arrêter.